Bonsoir tout le monde, les gars! Je suis le mec le plus heureux pour finir cette année, les gars! La vie de ma mère, hein, ça fait 364 jours que ma vie est nulle! Elle ressemble à rien, elle a aucun sens! Il m'arrive que de la merde, les gars, que de la merde! Mais ce soir, les gars, ce soir, la vie de ma mère, incroyable! Comment bien finir l'année, les gars? Comment, les gars, comment? Pourtant, je suis atteint du Covid, les gars, mais voyez, je suis en forme. C'est pas grave, le Covid, arrêtez de regarder la télé, regardez juste ma vidéo. La vie de ma mère, c'est vrai. Faites la fête, faites-vous des câlins, faites-vous des bisous. La vie de ma mère. Je vais organiser une fête avec que des gens qui ont le Covid. Comme ça, il n'y a pas de risque, les gars, c'est la vérité. Je suis pas bien. Ça va, non, ça va en vrai, mais ça va encore mieux, les gars, ça va encore mieux, bordel. La vie de ma mère, incroyable, les gars. Incroyable. Comment bien finir l'année, les gars. Ce soir, c'était Pornhub Acte 2, les frères, et c'est la vérité, bordel. Incroyable, les gars, incroyable. La vie de ma mère, en quelle langue faut que je vous le dise? Il y avait tout pour qu'on gagne, les gars, tout. Cette semaine, les gars, 84 ans de pinte ou d'accoste, les gars, incroyable. Celle-là, elle était pour lui ce soir. Oh, ta mère dit blessé ce soir, suspendu, les gars, pardon. Vertonghen, la vie de ma mère, il a le Covid, les gars, la vie de ma mère. Pour ceux qui ont regardé le match sur Sport TV, la chaîne portugaise, les gars, la vie de ma mère. Oh, à un moment, il a vomi, les gars, il a vomi sur le terrain, les frères. Oh, incroyable. Soit la protéine, elle est mal passée, soit je le soupçonne d'avoir le Covid-19, et c'est la vérité, bordel. Il est venu, il a voulu empoisonner tout le dragon, les gars, tout, mais même ça marche pas, les gars, ça marche pas! Incroyable, les gars, je suis en folie, les gars, je suis en folie, la vie de ma mère. Si les boîtes, elles étaient ouvertes, Covid ou pas Covid, j'y serais allé, je m'en bats les couilles, et c'est la vérité. Les gars, masterclass ce soir, une deuxième fois, les gars, c'était incroyable, bordel. Incroyable. Et là, c'était plus important ce soir, les gars. Parce que c'était le championnat, les gars. La vie de ma mère, c'est vrai. Excusez-moi, les gars. Diogo Costa, incroyable. Notamment sur le premier face-à-face, à la 30e minute, je crois, tu as été présent. Incroyable. Tu nous laisses dans le match et c'est super important, les gars. Super important. La vie de ma mère, João Mario, Manafa, Corona, oh! Heureusement qu'on a un effectif bien garni, les gars. La vie de ma mère, c'est vrai. Heureusement, les gars. On se retrouvait à 4 défenseurs latéraux droits en début de saison. On n'est plus que 0, les gars. 0, oh! Corona, c'est pas son poste, les gars. La vie de ma mère, c'est vrai. Dégoûté, les gars. Oh! Ils ont voulu nous blesser tout le monde, les gars, tout le monde. Et le pire, c'est que ça a marché. Je suis dégoûté. Même comme ça, ils ont perdu ces grosses merdes. Même comme ça, les gars, la vie de ma mère. On verra plus tard l'infirmerie. C'est pas le sujet, les gars. Mbemba, Fabio Cardozo, une masterclass ce soir, la vie de ma mère, c'est vrai. C'était plus une masterclass, c'était des mastercards et c'est la vérité. Des cartes gold, les deux, et c'est la vérité. Incroyable, les gars. Hyper complémentaire. C'était pas gagné, Fabio Cardozo, mais depuis deux matchs, t'es en train de rentrer dans nos cœurs, mon frère, la vie de ma mère. Ultra sérieux, t'es ultra sérieux, c'est la vérité propre. Tu te prends pas la tête, tu fais attention sur tes sur tes relances, tu fais attention défensivement à pas faire de faille, et c'est la vérité. T'es incroyable, et c'est la vérité. Zaïdou, la vie de ma mère. Tu me feras tout le temps autant rire, à rater des touches, à rater des contrôles que même Benjamin, poussin première année, réussit. Mais sur la vie de ma mère, on a beau te critiquer, mais ce soir. Wendel, tu vas pas avoir ta place aussi facilement que prévu, et c'est la vérité. Zaïdou, t'as été incroyable ce soir. Oh, sur la vie de ma mère, le mec, il a 10 poumons, il aurait pu jouer 90 minutes de plus. Vous avez vu à la fin, il tapait des 100 mètres, les gars. La vie de ma mère, c'est vrai. Usain Bolt, le mec, incroyable. La vie de ma mère, c'est vrai. Avec son sourire, là, il me fout la haine, les gars, quand il rate un truc. Il sourit, le mec. La vie de ma mère, c'est incroyable. Insane ce soir, t'as été, c'est la vérité. J'ai même cru que t'allais marquer un but ce soir. La vie de ma mère. Les gars,
Je vais passer au milieu de terrain, les gars. Le milieu de terrain, on a le meilleur milieu de terrain du monde. Et je le pense, les frères. Modric, Casemiro et Kroos éclatés au sol à côté. Et c'est la vérité, les frères. Vitinha, Uribe. C'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi. La vie de ma mère. Vous avez vu comment Vitinha, il contrôle tout le milieu de terrain, les gars. Tout le milieu de terrain. Quelles sont celles? Quelles équipes auraient joué tout de l'avant et auraient pas gardé le ballon comme il a fait lui, les gars? C'est grâce à lui qu'on a gardé le ballon à la fin, les frères. Et c'est la vérité. Alors oui, c'était pas joyeux. Oui, c'était pas... Oui, c'était ennuyant même, on s'en bat les couilles. C'était euphorique dans ma tête, les gars. La vie de ma mère, Vitinha, t'es incroyable. Tu penses pas qu'à marquer des buts, tu penses d'abord club, équipe. Et ça, c'est incroyable. La vie de ma mère, c'est vrai. Je vois qu'en ce moment, ça te compare à Deco. La vie de ma mère, t'es meilleur que Deco, mon frère. T'es meilleur, incroyable, les frères. Uribe, quel match encore. Toi, faut pas... Toi, je comprends pas comment il n'y a pas Liverpool qui te court après sur la vie de ma mère. Hein. Mais toi, j'ai l'impression. Je crois que tu as l'impression. J'ai l'impression que tu as signé un contrat à vie tellement tu n'es même pas sur la liste des transferts. C'est incroyable, les gars. Incroyable. Otavio, mais alors toi, je t'aime et je ne cesserai de te répéter que je t'aime. T'es incroyable. Le brassard de capitaine, il te va à merveille, mon pote. Il te va à merveille et tu le mérites amplement. Je sais même pas pourquoi l'autre, quand il rentre SCH de Wish, tu lui donnes, frère. Il le mérite pas. Je comprends pas, les gars. La vie de ma mère, je comprends pas. Mais bon, pour l'entente du groupe, c'est bien. Otavio, homme du match en plus ce soir, insane, t'as été insane, toujours dans la catégorie Award Cinéma, la vie de ma mère, t'es le boss, t'es le meilleur, les gars, t'es le meilleur, t'es un putain d'acteur et ça on adore, le carton rouge, c'est grâce à toi et c'est la vérité, les deux fautes, elles sont sur toi, mais c'est incroyable, t'as été incroyable ce soir. Encore une fois, les gars, encore une fois, Fabio Vieira, la vie de ma mère. Hein. Toi, c'est. Je savais que t'étais incroyable, mais t'es incroyable, c'est n'importe quoi. J'ai même pas les mots. Techniquement, tu les as bouffés, frère, bouffés. Oh, sur ton but, mais t'es allé trop vite, frère, t'es allé trop vite. Oh, le défenseur, il s'est retourné, t'avais déjà tiré, t'avais déjà marqué, frère. Incroyable, bordel, incroyable, les gars, vous comprenez? Lui. Et Fabio Vieira, frère, ils ont une connexion, mais oh, c'est la 5G, elle est même pas installée. Mais la vie de ma mère, les deux, ils sont en train de l'installer, c'est incroyable, les gars. Les deux, c'est n'importe quoi, et c'est la vérité, les gars. La vie de ma mère, Pépé, la vie de ma mère, Pépé, les gars, Pépé. Luis Diaz, il peut presque raccrocher les crampons, les gars. Il peut partir, c'est bon, les gars. Il peut partir pour 200 millions et c'est la vérité, les gars. La vie de ma mère, Pépé, tout le peuple de Porto t'attendait au tournant ce soir. Tout le peuple, les gars. Et la vie de ma mère, t'as répondu présent. Toi, c'est comme Fabio Vieira, frère. Oh, oh. Tellement on est connecté, frère. Il a armé Otavio, frère, t'étais déjà devant le défenseur en train de mettre la tête, bordel. Et c'est la vérité. Oh, c'est pareil que le but de Fabio Vieira, mon frère. Oh, le défenseur, il t'a regardé, frère. Il s'est retourné, il t'a regardé. T'étais déjà en l'air, t'avais déjà marqué, frère. La vie de ma mère, c'est vrai. T'as fait ton match rien que pour ce but. Et la vie de ma mère, hein. T'aurais dû marquer un doublé ce soir. Et c'est la vérité, parce que pour moi, il n'y a pas en jeu. Et c'est la vérité, 8 cm. Oh, bordel. Même pas la taille du zboub d'un enfant qui vient de naître. Arrêtez un peu, bordel. Arrêtez, la vie de ma mère. Et pour finir, les gars, je lui dois tout mon pardon. La vie de ma mère, ce soir, on te pardonne tout. Mehdi Taremi, ce soir, t'es pardonné de tous tes matchs de merde que t'as fait. C'est la vérité. Même si t'as eu de la réussite sur ton but, tu sais toujours pas comment t'as fait pour marquer. Je le sais, arrête de me mentir, la vie de ma mère. Mais on s'en bat les couilles, t'as fait un gros match ce soir. T'as aidé l'équipe, tu te bats pour l'équipe et c'est ce qu'on aime. Et pour combler tout ça, pour finir l'année, bordel, t'as attendu presque le dernier jour de l'année pour marquer ton putain de but, les gars. La vie de ma mère, c'est incroyable, Taremi. Incroyable, mon pote, t'as été, c'est la vérité.
La vie de ma mère, c'est vrai. Oh, Gilberto, espèce de grosse merde, va. Toi, je suis sûr, t'es videur de boîte de nuit, espèce de bâtard. Est-ce que les caméras, elles sont bonnes, la vie de ma mère? Il a pris un coup d'épaule par Otavio, alors que le mec, tous les jours, il va à la muscu, frère. Il va soulever, oh, calme-toi, The Rock de Wish, oh. Et la vie de ma mère, il a pris le seum. Ah, il a voulu casser la jambe, c'est quoi ça, bordel? Vas-y, rentre chez toi, rentre chez ta grand-mère, hein. Hey, casse-toi, dégage. La vie de ma mère, les gars, merci beaucoup pour cette victoire, pour cette oh, premier acte en coupe. C'était mon cadeau de Noël, mais là, c'est mon cadeau de fin d'année, les gars. J'ai le Covid demain, je vais rien faire, je vais aller dormir et c'est la vérité. Mais les gars, c'est bon, ça me suffit. L'année est... ne pouvait pas mieux finir, les gars. C'est insane, incroyable, les gars. Merci à Porto, les gars. Merci, on est champion de. On va dire qu'on est champion de 2021, les gars. Je sais pas comment on appelle ça. Champion d'automne, champion de ce que tu veux, frère. Mais on est champion dans mon cœur, on est champion. Et je vois pas comment le titre cette année pourrait nous échapper, les gars. Et c'est la vérité. On a un groupe soudé comme jamais, les gars. Soudé, c'est incroyable. Je crois que c'est la première année où je vois un groupe aussi soudé, les gars. La vie de ma mère. Petit mot pour Sergio Conceição avant de finir. T'es un coach insane. Ne pars jamais de ce club. Jamais, bordel. Même. Sur une canne, oh, le mec, c'était un lion en cage. Il a été suspendu pendant 2 matchs. Le mec, il est revenu. Je peux te dire que toutes les chaînes portugaises l'ont vu, les gars. Le mec, il était vénère. Et c'est ça qu'on veut au FC Porto, la vie de ma mère. Des choix tactiques payants. Luis Dias absent pour Covid-19. Tu mets qui? Tu mets Pepe, il marque. Evan Nilsson absent pour carton rouge. Tu mets qui? Fabio Vieira. Alors, tu aurais pu mettre Tony Martinez, mais Fabio Vieira, tu le mets, t'assumes et il marque. Qu'est-ce que je voulais de plus, les gars? Que des choix payants et c'est la vérité. La vie de ma mère, tout le monde t'a critiqué pour Zaïdou, mais Zaïdou, il faut juste de la confiance, les gars. De la confiance et c'est la vérité. Merci, les gars, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Je redirai jamais assez merci. Je vous aime et que l'année 2022 soit encore plus belle. Je vous souhaite à tous une bonne année d'avance, de bonnes fêtes les gars. Profitez bien, faites attention à vous quand même par rapport au Covid. Faites attention. Faites attention, vous voyez ce que ça donne après. Donc voilà, faites attention. Faites attention. Désignez un Sam si vous sortez, partez en soirée ou je sais pas quoi. Mais faites attention s'il vous plaît. Les gars, et allez, le FC Porto, bisous à dans 3 jours en 2022, les gars.